Nous allons vous parler de la Suisse et de ses engagements internationaux. Les sommets de la Terre sont des rencontres entre dirigeants mondiaux organisées par l'ONU depuis 1972. Ces rencontres ont conduit finalement à l'adoption des principes du développement durable en 1992. Le premier sommet a eu lieu à Stockholm, en Suède, en 1972. Le deuxième à Nairobi, au Kenya, en 1982. Et le troisième à Rio de Janeiro, au Brésil, en 1992. Le sommet de la Terre à Rio, en 1992, a marqué la prise de conscience internationale des risques dus au changement climatique. Les États les plus riches, pour lesquels une baisse de croissance semblait impossible et qui étaient entre autres responsables des émissions les plus importantes, s'engagèrent à stabiliser en 2000 leurs émissions au niveau de 1990. La Suisse s'engagea tout spécialement dans les cinq domaines suivants: le financement du développement durable, des modèles de production et de consommation, l'énergie, la protection et l'exploitation durable des forêts et le développement durable des régions de montagne. La Suisse s'est engagée à réduire les émissions de gaz à effet de serre entre 2008 et 2012 de 8% par rapport à 1990. Durant le protocole de Kyoto, dont l'objectif initial était de parvenir durant la période d'engagement de 2008 à 2012 à la réduction des émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique d'au moins 5% par rapport au niveau de 1990, la Suisse est même allée au-delà des objectifs fixés. La conférence de Paris sur les changements climatiques se déroulera à Paris, en France, du 30 novembre au 11 décembre 2015. La conférence doit conclure à un accord international sur le climat, adapté à tous les pays, dans le but de limiter le réchauffement mondial à 2 degrés Celsius. La Suisse s'engage au changement climatique, dont elle annonce vouloir réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 50%. Merci d'avoir visionné notre vidéo et pour de plus amples informations, référez-vous à notre article.